Martinez Tears vit un rêve éveillé. Jeudi 9 mai 2022, elle a épousé l'homme dont elle est amoureuse, Sam Asghari. Quelques heures après s'être dit oui, les amoureux auraient acheté une nouvelle maison. Selon les informations de TMZ, la chanteuse a déboursé 11,8 millions de dollars pour obtenir le manoir de Calabasas. Seulement, la maison se situe juste à côté de l'endroit où vit Kevin Federline avec leurs deux fils, Sean et Jaden. Britney Spears aurait donc pris la décision d'habiter près d'un de ses ex-compagnons. La magnifique maison de Britney Spears est implantée sur un terrain de 1,6 hectare. Il a une immense cuisine, une salle de cinéma et même une pièce juste pour emballer des cadeaux, ont rapporté nos confrères de TMZ. À l'extérieur de la maison, il y a une très grande piscine avec un énorme toboggan. De quoi faire plaisir aux enfants de la chanteuse tout juste mariée. Dans le quartier où les amoureux ont décidé de s'installer, ils ne seront pas les seules vedettes. Kevin Federline serait surpris de savoir Britney Spears près de lui en effet, Kourtney Kardashian et Travis Barker y vivent. Justin Bieber y avait également sa maison avec qu'il ne déménage avec sa femme. Ce déménagement est sans doute la raison pour laquelle les jeunes mariés n'ont pas pris la décision de quitter la ville juste après s'être mariés. Pour l'heure, Britney Spears n'a pas encore confirmé cette information. Nul doute qu'elle fera très bientôt tant elle aime partager son quotidien sur les réseaux sociaux. De son côté, Kevin Federline semble être surpris de savoir que son ex-compagne habite près de lui. Kevin a été surpris que de tous les quartiers où elle peut se permettre de déménager, elle ait choisi le sien. Tant que sa paix et sa tranquillité ne sont pas envahies en conséquence, a déclaré une source à TMZ.